Pour les zones de montagne où l'agriculture connaît de graves difficultés, la production de plantes médicinales peut représenter une chance de développement. Reste que seul un travail de groupe, qui sera de toute façon long à porter des fruits, permettra de saisir cette chance. Un groupe de producteurs, hommes et femmes, se sont attachés à ce travail dans les hautes terres du Massif central, en Haute-Loire. Ce groupe mène depuis bientôt 2 ans des essais de culture, de cueillette, de transformation et de commercialisation des plantes médicinales. Bon, on vient de chez Christian en Ugier, dont la camomille a quasi totalement gelé l'hiver dernier. On vient de chez Bernard Fayard, qui a eu aussi des problèmes de sécheresse. Chez Annie Durand, le vent qu'il a fait ce printemps a complètement brûlé certaines cultures. Bon, effectivement, vous faites tous un petit peu l'expérimentation qui n'avait pas pu être faite par les grandes institutions de recherche ou de suivi, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'au sein du groupe là, qui s'est monté en Haute-Loire, on a été obligé de faire la recherche, on est en train de la faire seulement, hein. On n'a pas encore les résultats, sur ces cultures en zone de montagne, pour pouvoir que ça nous profite à nous, et que ça profite ensuite aux suivants qui viendraient derrière nous pour réaliser ce genre d'exploitation. On est en train justement de mettre en place une association régionale qui va regrouper les différents producteurs par département et leur permettre justement d'avoir un soutien. Un soutien que ce soit de l'office, que ce soit de la région, pour permettre justement d'aider soit à l'installation, aider aussi à la recherche de ces critères agronomiques, c'est-à-dire de tout ce qui nous manquait au départ pour nous installer. Mais tu as eu des problèmes avec l'hiver, Christian? Oui. Ben oui, sur les 60 pieds de camomille, j'ai réussi à peu près à avoir une vingtaine de plants qui ont pu passer l'hiver sans trop de dommages. Tu les avais pourtant couverts et tout ça, quoi. Oui, j'avais fait un mulch de feuilles et de fougères broyées, mais l'hiver a été très rude et... Ça a gelé fort longtemps. Ça a gelé fort pendant 15 jours, moins 15 pendant 15 jours. Les essais de culture que tu as fait là, c'est... Bon, pour... en tant qu'essai, ils sont réussis, quoi. Ils sont réussis, hormis qu'il y a eu des problèmes de sécheresse. Ouais. Ils sont à peu près réussis, disons. Il n'y a pas... Il n'y a pas le rendement espéré. Mais regarde, tu as 3-4 rangs de bourrache au total, tu as 2 rangs de menthe... qui sont très jolies. Bon, est-ce que maintenant tu te sentirais capable de faire un carré de 2, 3, 400 mètres carrés de menthe, par exemple? Oui. Et de bourrache? Oui. La bourrache a très bien marché ici. C'est la deuxième année que j'en fais, elle a toujours. Elle n'a jamais eu de problème, à part les premières gelées, quoi. Jusqu'aux premières gelées, elle donne. Oui. Sinon, la menthe, moins bien parce qu'elle elle demande plus d'eau. La camomille est un peu faible. Oui, c'est vrai qu'elle est un peu faible. Ouais. Le basilic a souffert. Le basilic, oui, c'est sûr que c'est pas l'idéal ici, le basilic. Elle vient d'où, cette mauve, Bernard? Ben disons que j'ai acheté la graine à Philippe Buick. Oui. J'ai fait mes plants sous serre. Et tu les as mis quand? Et je les ai repiqués il y a un mois. Ben dis donc, ça a vite fleuri, hein. C'est la variété à grande fleur. C'est la variété à grande fleur. Ah ouais, c'est vrai que sont magnifiques ces fleurs. T'en as déjà récolté beaucoup cette année? Non, j'ai pas encore commencé. Je crois que ce sera les premières. Bon, moi en production, j'ai rien fait. J'ai pas cultivé, je me suis simplement contentée de cueillir. J'ai cueilli de la ronce, j'ai cueilli du frêne, du sureau. Et puis c'est à peu près tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Et par contre, avec une autre adhérente de simple, là, on a fait un gros effort sur la transformation du pissenlit. On a fait 1000 pots de confiture de pissenlit. Donc on va bien voir ce que ça va donner. On a fait du sirop aussi, donc à partir du pissenlit. Et maintenant, on attend avec impatience les autres fruits, mais on aura le problème de sécheresse aussi qui va se poser. Hein, parce que fruits et plantes, quoi, pour les transformer. On en est là.
Moi, je me contente du ramassage. Et qu'est-ce que vous avez ramassé cette année? Mes lunettes. Du fraisier, de l'armoise, du frêne, du tilleul, du bouillon blanc. D'après elle, ah oui, ça j'en ai pas mal. Du sureau. Alors je vais ramasser des myrtilles quand ce sera le moment. Je vais ramasser la graine des prés cette semaine. Je vais ramasser de l'aubépine, de la sauge, le sorpolé pas encore. À peu près tout. Bah, moi j'ai fait quelques petites cueillettes dans mon jardin. De menthe, marjolaine, thym et sarriette. Et ensuite, comme culture en route, j'ai de la nette, donc j'ai 100 mètres carrés. Pour le moment, bon, il s'en sort pas trop mal, à part qu'il a manqué un peu d'eau. Et c'est pareil, il va fleurir avant d'avoir atteint son stade adulte maximum, quoi. Il est pas très très haut. Hein. Mes essais d'arnica, eh bien, c'est pas concluant du tout. J'avais fait un semis à l'automne et rien n'est sorti, mais vraiment rien. Et les pieds repiqués? Alors les pieds repiqués ont fleuri et ils ont tous été parasités. Dans mon projet d'installation, j'avais pris des contacts avec et la chambre d'agriculture et la DASEA. Et au départ, j'avais pas eu d'informations très très précises, il faut bien le reconnaître. C'est pas une production courante et les instances professionnelles ne sont pas penchées vraiment sur le problème. Mais il semblait qu'ils aient adopté un coefficient de pondération qui s'appliquait aux plantes médicinales, à savoir le même que pour le maraîchage. Et pour la région, ici, il faudrait environ 1,5 hectare pour pouvoir avoir la surface minimum en plantes médicinales. Et il s'avère cette année qu'avec 6 à 7 000 mètres carrés de culture, la surface serait largement suffisante pour occuper une personne, et même peut-être un peu plus, toute l'année, sans problème. Ce que tu veux dire, c'est donc qu'avec 6 ou 7 000 mètres carrés de culture, une personne, ou même un peu plus, peuvent vivre là-dessus et peuvent avoir quoi, l'équivalent du SMIC, disons? Oui, on doit pouvoir sortir un SMIC sur une exploitation de cette importance. J'ai fait également un capteur solaire qui me permet, un capteur à air qui me permet de réduire le temps de séchage des plantes. C'est un capteur qui fait 6 mètres carrés de surface et qui me permet théoriquement de sécher 40 mètres carrés de clé. Donc ça permet de faire des récoltes déjà relativement importantes, plusieurs dizaines de kilos. Toi, tu as fait un capteur solaire avec Jean-Louis Fine, oui, de Nemo. Ce capteur solaire, il fait quoi, une dizaine de mètres carrés? Non, un peu moins, 8. 8 mètres carrés. 8 mètres carrés. Bon, combien t'a coûté ce capteur? Au niveau de la réalisation, bon, ben, le travail, on ne l'a pas compté parce que c'est une réalisation commune sous forme plus ou moins d'échange. Le matériel pour faire le capteur, ça a été du matériel de récupération, à part certains trucs qu'on ne pouvait pas récupérer comme les isolants ou le film plastique qui vient dessus. Au total, ça a coûté aux environs de 1000 francs. 1000 francs pour 8 mètres carrés, quoi. 8 mètres carrés. C'est pas très cher. Non. Et le résultat de ce capteur, là, il fonctionne? Il fonctionne, il chauffe. Il chauffe trop, même actuellement, avec le soleil qui fait. L'année a été particulièrement sèche. Les essais de culture ont souffert pratiquement chez tous les producteurs, et cela montre que même en montagne humide, une production régulière de plantes médicinales exige que l'on prévoie l'irrigation. Un procédé qui a été expérimenté est le goutte à goutte, comme ici, sur fraisier et sur basilic. Nous sommes ici à la Chaise Dieu, où un groupe de femmes a installé un atelier de transformation des plantes. On y expérimente les recettes. On y met au point un travail collectif. On amorce ainsi la valorisation des plantes cultivées et cueillies par les membres du syndicat simple. Alors, c'est quoi cette recette? C'est de l'apéritif à base de pissenlit. J'ai fait macérer
c'est un membre de Casa dei Nature qui a fait macérer de la fleur de pissenlit dans de l'eau. On l'a laissé infuser pendant 2 ou 3 jours. Après, on a filtré ce jus. Et donc, on a remis le jus obtenu dans des biches, en grès de préférence. Et on y a ajouté du sucre, des raisins de Corinthe, comme tu vois. Il y a des oranges, des citrons. Donc là, il y a à peu près 3 semaines que ce vin fermente. Donc là, je suis en train de filtrer, donc de sortir tous ces fruits pour recueillir le jus. Et le résultat, c'est bon ? C'est bon. C'est bon. On retrouve quand même bien le goût du pissenlit. Vous avez commencé à vous équiper pour faire ce petit atelier. Où est-ce que ça en est, ce projet ? On a loué cet appartement. On a aménagé avec ce qu'on avait les unes et les autres. Donc, on n'a pas acheté de matériel. Et on a travaillé. On a décidé de mettre un point fort sur le travail du pissenlit. Et on a réussi, en venant travailler à l'atelier, à faire 1000 pots de confiture de pissenlit. Et on s'est quand même rendu compte qu'on n'aurait jamais pu avoir une production aussi importante si on avait dû faire ces 1000 pots chez nous. Parce qu'on venait travailler essentiellement la nuit, puisque dans la journée on a autre chose à faire les unes et les autres. Donc on laissait tout notre matériel, tous nos pots installés. Ça nous permettait de venir travailler quand on le pouvait. Alors chez soi, on ne peut pas faire cela. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'au niveau travail, c'était plus agréable de travailler en équipe. On était toujours 2 ou 3 à travailler ensemble, donc on passait quand même de bons moments. Le travail se faisait plus agréablement. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour aller plus loin ? Un peu plus de motivation, il leur faudrait peut-être plus de preuves tangibles que c'est rentable. Reste à savoir si les gens de la région seront prêts à la saisir cette occasion. Mais à part ce jus de fraises, vous faites d'autres produits ? Oui, on peut faire d'autres produits, du jus de menthe par exemple. On peut faire des jus de mûres aussi, des jus de framboise peut-être aussi, enfin, même des jus de légumes, on peut également faire du jus de carotte, du jus de tomate. Monsieur Coudert, vous êtes président de l'association Casa dei Nature à la Chaise-Dieu en Haute-Loire. Quel est l'espoir que vous avez que les plantes médicinales puissent aider les agriculteurs de ce département? Je pense que la plante médicinale va subir un essor considérable du fait que l'agriculture, à l'heure actuelle, quand même a beaucoup de problèmes liés aux quotas laitiers. D'autant plus l'agriculture de montagne est encore un biotope assez exempt de produits chimiques, d'engrais ou toutes sortes, donc qui pourra donner une plante de qualité et qui emploiera également une main d'œuvre à la ferme, soit les jeunes, et qui apportera un apport financier peut-être assez considérable pour certaines exploitations. Tout le monde n'étant pas au courant de l'initiative qui a été prise pour inventer des cartons qui permettent de faire l'expédition des boîtes par la poste ou pour les livrer à des détaillants, je crois que ce serait bien que Philippe nous dise comment vous avez procédé. On cherchait au début un emballage, surtout pour de la plante vrac. Et en allant visiter cette papeterie d'Espaly, ils nous ont proposé des cartons agrafés. On en a fait 2 tailles. Hein. Bon, les boîtes rentrent sur 2 rangées. Il y a une intercalaire en carton entre les 2 rangées. Hein, et on en met 6 dans celle-là et 12 dans la plus grande. Les intercalaires, ça sert justement pour que les boîtes soient correctement calées pour éviter qu'elles se frottent les unes contre les autres pendant le transport. L'avantage est évidemment que vous pouvez l'envoyer par correspondance, par exemple. Alors on va procéder maintenant à la distribution des étiquettes pour mettre sur les boîtes. On ne l'a pas fait auparavant parce qu'on attendait d'avoir la certitude d'avoir le droit d'utiliser ces étiquettes. C'était fonction de la visite que Philippe a fait chez chaque producteur et de l'accord du syndicat. Donc cet accord est arrivé cette semaine, donc maintenant on peut utiliser la marque simple.
Donc on a de la violette à distribuer, du pied de chat, de la bourrache, de la mélisse, de la menthe poivrée, de l'arnica et de la menthe verte. Oui, alors tu mets combien de grammes par boîte ? 20 grammes pour les petites boîtes, pour la mauve. Pour la mauve. Pour la mauve et pour la bourrache aussi, les 20 grammes. D'accord. Et pour les prix, ça se passe comment, Bernard, actuellement ? Ben pour les prix, disons qu'on a chacun de son côté étudié le temps de ramassage, le temps de travail quoi, en général, et les frais pour faire des études. Et puis alors on a tout mis en commun. Et on est arrivé à établir un prix commun à tous. On est sur le point de le faire. D'accord, donc pour essayer d'harmoniser les prix d'un massif à l'autre et parmi tous les producteurs, quoi. Voilà. D'accord. Et tu as l'impression que c'est important par rapport au marché, ou bien ? Oui, c'est sûr que c'est important. D'abord, le premier avantage, ça nous permettra d'échanger entre nous les différentes cultures, d'une part. Et puis d'autre part, on aura une crédibilité supérieure. Parce que toutes les boîtes apparaissent au même prix dans tous les points de vente. Bien sûr. D'accord. Bon, mais il y a une autre chose que je voulais te demander, mais alors ça, à titre plus personnel, est-ce que au bout de ces années où tu bosses ici, où tu es venu t'installer dans un coin qui est quand même difficile, est-ce que tu as l'impression que tu as pris une fausse voie, ou est-ce que tu as vraiment envie de continuer, où est-ce que tu en es là, personnellement ? J'ai vraiment envie de continuer, ne serait-ce que plus ou moins par fierté, toi, d'avoir commencé là-dedans et de m'être dit, bon, mais je me suis trompé au départ, mais cette erreur n'est pas fatale, il y a moyen de la rattraper et d'arriver à, jusqu'au bout, c'est-à-dire à vivre de cette activité. Ça, tu le penses, hein ? Ah oui, j'en suis persuadé. Donc, tu as fait une erreur de détail, mais pour le fond, tu penses que c'était justifié? Ah, oui, oui. Tu persistes et signes? Ah oui, je persiste et je signe. D'accord.